Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Des nouvelles révélations sur les Ouïghours, des annonces de Jean Castex concernant le déconfinement ou encore les jeunes Français mauvais en maths. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Au passage, avant de commencer, vous êtes environ 25% à regarder ces vidéos chaque jour et à ne pas être abonné. 25% c'est peu, mais en même temps c'est pas mal de monde quand vous êtes plus de 300 000 à regarder ces vidéos chaque jour. Ça fait environ, selon mes calculs très très poussés, 75 000 personnes par vidéo. Du coup, si c'est votre cas, pensez à vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes et puis pour nous soutenir. Alors avant de parler des annonces sur le déconfinement dans quelques instants, rapidement je voulais vous parler du numéro 2 du ministère de la Santé en France, Jérôme Salomon, qui est soupçonné d'avoir mal agi et entraîné une pénurie de masques en début d'année. En fait, au mois de juin, une commission d'enquête a été lancée par le Sénat pour tirer les leçons de la crise sanitaire du Covid-19 et Le Monde a pu avoir accès à certains documents. Or, dans son travail et avec les documents qu'elle a, cette commission pointe notamment du doigt Jérôme Salomon, le numéro 2 du ministère de la Santé. En effet, en 2018, lorsque Agnès Buzyn était ministre de la Santé à l'époque, un rapport de Santé Publique France adressé au ministère recommandait d'avoir 1 milliard de masques en stock en France, et ce au cas où un risque, notamment une pandémie, arrivait un jour. A l'époque, Jérôme Salomon avait décidé de ne pas suivre cette recommandation du milliard de masques, mais plutôt d'en commander 100 millions, peut-être par souci de budget, mais en contradiction totale avec les recommandations de Santé Publique France, autrement dit donc l'Agence Nationale de Santé Publique. Cette décision pour un numéro 2 de la santé en France, logiquement, fait fortement débat, et en 2019, un an après donc, toujours selon les documents que Le Monde a pu se procurer, Jérôme Salomon revient à ce moment-là vers Santé Publique France et demande à retirer du rapport de 2018 toute recommandation chiffrée concernant le nombre de masques à avoir dans le pays. La volonté potentielle de Jérôme Salomon en faisant cela aurait donc été de masquer le fait qu'il n'ait pas suivi les recommandations de l'agence publique en ne commandant pas donc 1 milliard de masques. Voilà donc ce qui a été révélé hier. Alors maintenant, quelles seront les conséquences à tout cela? Eh bien, on verra ce qu'il en est évidemment dans les jours à venir, et de notre côté, on vous tient au courant. L'actualité à la une de cette vidéo, ce sont donc les annonces du Premier ministre Jean Castex concernant les restrictions en France pour les prochaines semaines. En effet, on en parlait hier, on compte environ 11 000 nouveaux cas par jour en ce moment. Ce chiffre est loin de l'objectif des 5 000 cas par jour qui avait été fixé par Emmanuel Macron, et donc en conséquence, le déconfinement va être moins léger que prévu. Alors, première chose à retenir, le confinement s'arrête le 15 décembre, il va être remplacé par un couvre-feu, et le couvre-feu sera de 20h à 6h du matin, et non de 21h à 6h du matin, comme c'était prévu initialement. 20h, c'est donc un peu plus tôt que prévu, mais finalement pas aussi tôt que 17h, comme c'était évoqué par des proches du gouvernement hier. Deuxième annonce, à partir du 15 décembre, il sera bien possible de se déplacer entre les régions, et donc de rejoindre par exemple sa famille pour les fêtes de fin d'année. Troisième annonce qui en l'occurrence intéresse beaucoup de monde, il n'y aura pas de couvre-feu le 24 décembre, mais finalement ce couvre-feu sera bien maintenu pour le soir du 31 décembre, contrairement à ce qui était prévu il y a quelques semaines. L'objectif pour le gouvernement avec ça, il est simple, limiter les grandes soirées du 31 décembre, les rassemblements du nouvel an étant en général plus festifs que le 24 décembre et donc potentiellement plus risqués en matière de contamination. Alors en l'occurrence, lors de la conférence de presse, une journaliste a demandé si on pouvait arriver avant 20h chez quelqu'un le soir du 31 décembre et repartir après 6h le lendemain, le 1er janvier donc. À cela, Jean Castex a répondu que oui, techniquement c'était possible de le faire puisque le couvre-feu était bien respecté en faisant cela, même si très concrètement ce n'est pas du tout dans l'esprit de la mesure, qui est donc de limiter les contaminations le soir du 31 décembre. Au passage, le gouvernement a annoncé que des contrôles de police seraient importants le soir du 31 décembre afin de vérifier que le couvre-feu est bien respecté. Quatrième annonce à retenir, les établissements accueillant du public comme les cinémas, les théâtres, les musées, les stades ou encore les casinos ne vont finalement pas rouvrir le 15 décembre. Ils restent fermés au moins 3 semaines de plus, ce qui risque de mettre en difficulté plusieurs milieux culturels. On aura l'occasion d'en reparler. Enfin, dernière annonce, contrairement à ce qui a été évoqué hier, finalement il n'y aura plus besoin d'attestation en journée, sauf pendant les couvre-feux où à ce moment-là l'attestation servira à justifier son déplacement. Voilà donc pour ce qu'il faut retenir des annonces de Jean Castex et Olivier Véran ce soir, et évidemment on vous tient au courant dans les jours à venir si on a du nouveau. Comme tous les jours, vous le savez, on fait un point à l'étranger et aujourd'hui je voulais vous parler d'une nouvelle révélation de l'ONG de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, concernant les Ouïghours. Alors les Ouïghours, on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne puisque c'est un sujet qui est très important. C'est une minorité musulmane en Chine qui est persécutée par le gouvernement chinois, et ce notamment parce que le gouvernement voit l'islam comme une menace potentielle à l'adhésion au parti communiste chinois. Des experts étrangers, des ONG ou encore l'ONU affirme
confirme que déjà 1 million de Ouïghours ont été placés dans des camps où un lavage de cerveau et un travail forcé seraient imposés à la population. Alors si je vous en reparle aujourd'hui, c'est parce que l'ONG Human Rights Watch a révélé l'existence d'un logiciel chinois qui a pour objectif de cibler les Ouïghours. Ce logiciel permet en fait de suivre l'activité en ligne et la vie quotidienne des gens grâce au dispositif de surveillance qui est mis en place dans le pays, et concrètement il récupère plein d'informations personnelles sur les gens, comme leur groupe sanguin, leur taille, leurs préférences politiques et religieuses, ou même leur consommation d'électricité. En gros, vous l'aurez compris, leurs moindres faits et gestes sont scrutés, notamment grâce au traçage des smartphones ou alors aux millions de caméras de vidéosurveillance installées dans la région. Or, toujours selon l'ONG, le gouvernement chinois utilise ce logiciel pour scruter ceux qui reçoivent des appels à l'étranger ou alors éteignent souvent leur téléphone portable, puisqu'ils les considèrent comme des menaces potentielles et placent ensuite ces Ouïghours dans des camps par centaines. Selon Human Rights Watch, cette révélation est, je cite, une nouvelle preuve que la Chine recourt à la technologie dans sa répression de la population musulmane. Au passage, le footballeur français Antoine Griezmann a annoncé mettre un terme immédiat à son contrat avec Huawei, alors que l'entreprise chinoise de téléphonie est accusée de contribuer à des outils de surveillance contre les Ouïghours. De son côté, le gouvernement chinois accuse l'ONG de chercher à semer le trouble dans la région. On continue évidemment à vous tenir au courant dans les jours à venir. En bref, comme chaque jour maintenant, vous le savez, voici des actualités supplémentaires en moins d'une minute. Première info, la chef d'État et chancelière allemande Angela Merkel a appelé à de nouvelles restrictions en Allemagne face à la hausse des cas ces derniers jours, puisque le pays comptait environ 20 000 contaminations quotidiennes. Hier, elle s'est exprimée au bord des larmes devant le Parlement en demandant notamment la fermeture anticipée des écoles mi-décembre ou encore la fermeture des commerces non alimentaires après Noël et jusqu'à mi-janvier. Deuxième info qui n'a rien à voir, mais un prototype de la fusée géante Starship qui est développée par la société américaine d'Elon Musk, SpaceX, s'est envolée hier depuis le Texas, sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet, comme vous pouvez le voir actuellement sur ces images assez impressionnantes, au moment de l'atterrissage de l'appareil, l'appareil a tout simplement explosé. Alors cela dit, malgré cet échec à l'atterrissage, pour le reste, ça reste des progrès qui sont très importants pour Elon Musk, sachant que l'objectif pour lui est d'aller à la conquête de Mars avec cette fusée. Troisième info, les élèves français sont parmi les plus mauvais de l'Union européenne en mathématiques, d'après une enquête de Trends in International Mathematics and Science Study qui évalue les performances en mathématiques des élèves en CM1 et en 4e. Concrètement, la France se place à la dernière position pour les élèves au niveau CM1 et à l'avant-dernière position pour les élèves en 4e, juste devant la Roumanie. Alors évidemment, ce résultat assez alarmant pousse l'éducation nationale à réfléchir à des nouvelles solutions pour améliorer le niveau des Français en mathématiques. Si jamais vous voulez plus d'informations, vous le savez, je vous mets des liens directement en description. Enfin, dernière info, et heureusement, cette fois-ci, c'est une bonne nouvelle, elle concerne les habitants d'Île-de-France. Désormais, une partie de votre pass Navigo sera remboursée automatiquement s'il y a des retards répétés sur une ligne de la SNCF que vous empruntez régulièrement. Alors les lignes SNCF, attention, c'est pas toutes les lignes, mais ça concerne notamment les lignes RER ou encore les Transiliens. Comme d'habitude, c'est la dernière fois, promis, que je le dis aujourd'hui, je vous mets un lien en description, si vous voulez plus d'infos sur les modalités de ce remboursement. Le débat hier, c'était le suivant, êtes-vous favorable à une interdiction de l'école à la maison en France? Vous le voyez, vous avez été très nombreux à voter et vous êtes une immense majorité à être contre cette mesure d'interdiction de l'école à la maison. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant, approuvez-vous le maintien du couvre-feu le soir du 31 décembre? Pour participer, comme chaque jour, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté et à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour pour voter en un clic, ainsi que les sondages du jour précédent si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Je le disais en début de vidéo, et évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire pour ne pas rater les vidéos suivantes et puis pour nous soutenir, c'est gratuit. En description, je vous mets des liens pour en savoir plus. Rendez-vous aussi sur Instagram pour découvrir d'autres contenus. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.